Vous êtes, mesdames et messieurs, sur NCA, la nouvelle chaîne africaine, et bienvenue dans Frontal, votre rendez-vous qui vous plonge au cœur de l'actualité politique sur le continent. Le numéro de ce jour est consacré au Gabon, qui connaît une transition depuis le 30 août 2023. Une transition présidée, dirigée par le général de brigade Brice Oligui Nguema. Alors, quel décryptage faire de ces 100 premiers jours? Quels sont déjà les acquis et surtout les chantiers lancés? Deux Gabonais avec moi pour en parler. Jonas Molenda, vous êtes journaliste, écrivain, auteur de plusieurs livres. Très critique êtes-vous vis-à-vis de la transition et de son président? Pour vous, la transition gabonaise est déjà en panne. Et trois mots la caractérisent: navigation à vue, gaspillage, gestion opaque des deniers publics. Alors, caricature ou pure vérité, on en parle au cours de cette émission. Merci, Jonas Molenda, d'avoir accepté notre invitation. Luca Tomo Ngwamze, vous êtes entrepreneur. Vous, votre regard sur la transition gabonaise est à l'opposé de celui de votre compatriote. Pour vous, en peu de temps, le président Brice Oligui Nguema et son gouvernement ont atteint des résultats qu'aucun pouvoir auparavant n'a réussi, et ce, sur tous les plans. Sur le plan économique, sur le plan de l'assainissement des finances publiques et de la lutte contre l'impunité, sur le plan de l'amélioration des indicateurs sociaux. Mais vous nous en direz davantage et en détail au cours de cette émission. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Commençons par vous, Jonas Molenda. Je l'ai dit, vous êtes journaliste et vous animez une émission de façon régulière où vous décryptez les faits divers, mais aussi la vie politique de votre pays, le Gabon. Et dans l'une de vos dernières émissions, vous disiez ceci. Cette transition s'apparente à un grand bluff aujourd'hui, parce que ce qui est attendu par le peuple gabonais, ce n'est pas ça la priorité. Chaque conseil des ministres, les gens regardent la télévision uniquement pour attendre des nominations, et on l'a vu ces derniers temps, et depuis pratiquement plus de deux mois, on parle de nomination à nomination, et on se pose même la question, avec quel argent Brice Clotaire-Oligui Nguema compte payer tout ce personnel-là, pléthorique, dans les cabinets ministériels, quand on sait le traitement qui est réservé à ces agents de l'État. Plus grave encore, c'est que les personnes qui ne sont même pas fonctionnaires sont promues à des postes de responsabilité qui relèvent justement des agents de l'État. C'est un grand problème aujourd'hui et on remarque un manque de vision totale. On fait du pilotage à vue, on fait du surplace. Depuis plus de deux mois, il y aurait quand même eu des signaux forts lancés, mais on ne voit rien. Jonas Molenda, votre regard sur la transition gabonaise est très sombre. Manque de vision, pilotage à vue, surplace, c'est comme ça que vous caractérisez la transition dans votre pays, le Gabon? C'est comme ça qu'elle se présente, hein. Ce n'est pas que je caractérise, c'est comme ça que cette transition se présente. Je vais peut-être repréciser ma pensée. S'il vous plaît. Vous savez, lorsque M. Brice Clotaire-Oligui Nguema a fait le coup d'État, qu'il appelait lui-même coup de liberté, ce qui n'existe pas, peut-être que c'est l'appellation sur les tropiques, tout le monde, y compris moi, tout le monde applaudit à se rompre les phalanges, parce que on était excédé par la dictature d'Ali Bongo. Et puis, c'est la même famille depuis 56 ans. Donc, ça devenait étouffant. Sans oublier que Ali Bongo était déjà hors d'état de gérer le Gabon après son accident vasculaire cérébral dont il a été victime à Riyad en 2018. Et on se disait que tout le monde avait dans l'absolu demandé qu'Ali Bongo aille se reposer. Bon. On a crié haut et fort à la transition. Ali Bongo est resté flègue parce qu'il disait qu'on ne parlera pas de moi, on ne m'appellera pas ancien président du Gabon. Parce qu'il attendait mourir à vie. C'était un pouvoir à vie qui était à céder le pouvoir à son fils. Et on était même dans ce chemin de monarchisation du Gabon. Donc, lorsque le coup d'État est arrivé, tout le monde applaudit. On s'est dit, ah, vu que c'est quand même un militaire qui a pris le pouvoir, et qu'il n'y avait pas d'autre issue pour faire partir Ali Bongo, comme vous le savez. En 2009, Ali Bongo n'avait pas gagné l'élection. En 2016, c'était la même chose. Et on s'est dit qu'il allait encore se maintenir par la force, en dépit des résultats qui ne plaidaient pas
en faveur de sa reconduction à la tête, ou de son maintien à la tête de l'État. Donc, lorsque ce coup d'État est arrivé, et on a écouté le premier discours de Brice Clotaire-Oligui Nguema, oui. Bon, tout le monde s'est dit, bon, tant mieux. C'est certainement l'heure de la libération qui a sonné. Qu'est-ce qui s'est passé après? Ce qui s'est passé, on a constaté que cette transition était mal amanchée à partir du moment où il a reconduit dans la sphère décisionnelle de l'État des personnes qui étaient tant décriées dans le régime précédent, donc celui d'Ali Bongo. Et on a tout de suite, pour les personnes qui observent bien la scène politique gabonaise, on a compris que c'était juste une révolution de palais et que c'était vouloir écarter juste Sylvia Bongo, qui était devenue la régente du Gabon après la maladie d'Ali Bongo, et son fils, et puis un petit gang qui était là. Et que... Rien n'a changé au fond. C'est ce que vous dites? Oui, c'était, vous savez, un serpent qui change de peau ne perd pas son venin. Donc on a compris que là, c'était un serpent qui avait changé de peau, mais qui avait gardé son venin, parce qu'on avait gardé dans la sphère décisionnelle de l'État les mêmes personnes qui avaient détruit le Gabon. On va très rapidement rester sur ce point, et pour que votre compatriote vous réponde. Un serpent qui change de peau ne perd pas son venin. Voilà l'allégorie qu'utilise votre compatriote pour caractériser la transition dans votre pays. On parle d'un serpent qui meut, mais moi je pense qu'il faut remettre les choses dans leur contexte. S'il vous plaît. Il faut remettre les choses dans leur contexte. Nous sortons de très très loin. Mon compatriote ici présent, Jonas Moulenda, quand je l'entends parler, je me demande est-ce qu'il aime le Gabon. Parce qu'on ne peut pas aimer le Gabon et ne pas se rendre compte que nous étions dans le vide, c'est-à-dire que nous déambulons comme des zombies. Nous avons besoin, aujourd'hui, nous avons toute la sous-région africaine, c'est-à-dire que toute la sous-région qui est fière de ce que fait Brice Clotaire-Oligui. Nous avons des Gabonais aujourd'hui, parce que beaucoup de gens ont l'impression que Oligui a les pleins pouvoirs. Non, son pouvoir se base sur le peuple qui le guide. Ça veut dire qu'il va dans les écoles, ça veut dire qu'il va voir des aînés, ça veut dire qu'il va puiser, parce qu'il ne faut pas oublier quelque chose. Quand on est un enfant de Omar Bongo, Omar Bongo n'a peut-être pas fait du Gabon ce que le Gabon est devenu aujourd'hui, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup soutenu les Gabonais. Donc quand on regarde sa conduite et la façon dont il respecte les Gabonais, on doit... Vous parlez de l'actuel président, le président de la transition, la façon dont il respecte les Gabonais. De toute façon, il respecte les Gabonais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous regardez, même dans sa façon de gérer, sa façon de se déplacer, c'est quelqu'un aujourd'hui qui se retrouve aujourd'hui dans une église, demain dans une école, après demain dans une entreprise. Il a évoqué un point important quand même par rapport auquel il faut répondre. Il dit on reprend du vieux pour faire du neuf. Non, mais en gros. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il faut regarder ce qu'on appelle la population gabonaise. Nous sommes combien de Gabonais? Nous sommes combien de Gabonais? Nous sommes combien de Gabonais? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui était dans le PDG, on va le citer comme ça, il aurait voulu qu'on fasse quoi? Qu'on leur donne... qu'ils deviennent tous apatrides. Non, il me répondrait. Il va me répondre. Demandez-le lui. Il veut qu'on les rende apatrides et qu'on dise que comme vous avez collaboré avec, avec le PDG, vous êtes apatrides. Jonas Moulenda lui-même est PDGiste. Moi qui suis là, je suis PDGiste. Parce que nous sommes nés dans ce système. Quand on parle de système, on parle de tout le monde. On ne s'exclut pas pour montrer du doigt, pour dire que aujourd'hui le système est en panne. D'apatridie, c'est pas ce qu'il a dit. Non, mais si, mais parce qu'il veut, il dit que la machine est en panne. Quand on parle de panne, qu'est-ce qui cause la panne? La panne est causée parce que. Où voulez-vous en venir quand vous parlez de population réduite? Expliquez ce point. Vous faites allusion à la petite taille de la population gabonaise. J'ai parlé de la petite taille de la population gabonaise et j'ai parlé en disant que nous sortons du néant. Ça veut dire que nous déambulons dans un désert. Oui. Aujourd'hui, vous avez des gens, par exemple, je prends un exemple rapidement. Vous avez des gens diplômés qui sont diplômés depuis 7 ans, qui n'ont jamais atteint l'emploi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, leur diplôme est obsolète. Parce que quand ils vont exercer, le temps n'attend pas. Ouais. Vous comprenez ou pas? Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on devait, monsieur le président Brice Clotaire-Oligui Nguema, devait prendre des gens capables, vaillants, qui n'ont pas... Monsieur Ngwang, il a évoqué un point concret. D'accord. Il pense que dans l'appareil politique gabonais actuel, il y a trop de gens qui ont servi l'ancien système.
Mais c'est moi, son inquiétude. Et moi, qui le fonde à dire, c'est ce qui le fonde à dire que, au fond, c'est une révolution de palais. Mon compatriote est là, je le regarde. S'il vous plaît, vous pouvez lui parler directement. Je le regarde droit dans les yeux. Monsieur Jonas Moulenda fait quoi en France? Monsieur Jonas Moulenda devait être aux côtés des libérateurs du Gabon. Aujourd'hui, monsieur Jonas Moulenda, au lieu d'être donneur de leçons, devait être là pour dire que moi, dans mon domaine, je pense que voilà comment il faut construire. On ne va pas critiquer le village voisin alors que son propre village est en train d'être inondé d'eau. Vous pouvez lui répondre. Hein. Écoutez, mon juge n'est pas une sentence, mais je constate avec regret que mon compatriote, monsieur Tomo, est toujours dans l'émotion. Parce que parler des changements avec quelqu'un qui était un tortionnaire du régime, je pèse mes mots, parce qu'il était patron de renseignement, il a géré des services spéciaux qui ont torturé, qui ont tout fait. Parler des changements et demander le réfugié politique de rentrer parce que M. Oligui Nguema, ancien tortionnaire devenu chef aujourd'hui, je crois que c'est quand même manquer de lucidité. Il a parlé tout à l'heure il a remis en cause un peu mon patriotisme, que si j'aimais le Gabon, il se demande si j'aime le Gabon. Je crois qu'ils ne sont pas nombreux au Gabon qui ont consenti les sacrifices que j'ai consentis. D'autres se sont retrouvés en France parce que c'était des exilés économiques, ils cherchaient des conditions de vie plus favorables. Moi, j'avais une meilleure situation au Gabon. Et j'ai sacrifié tout ça parce que j'ai constaté depuis que le Gabon, depuis l'âge de 15 ans d'ailleurs, que je fais ce combat, que le Gabon n'allait pas mieux. Est-ce que vous pensez que... Parce qu'il faut qu'on vous dise les choses, s'il vous plaît. Monsieur Togbé. Brice Lacruche à Lianga. L'ancien directeur de cabinet. Bon, Brice Clotaire Oligui Nguema. Ah, bah, d'accord. Bah, voilà, c'est pas la même personne, d'accord. Brice Clotaire Oligui Nguema, c'est qui d'abord? C'est le petit-fils, c'est le neveu d'Omar Bongo. Donc, c'est le cousin d'Ali Bongo. La même famille qui gère le Gabon depuis 56 ans déjà. Donc, est-ce que vous pensez que lorsque ce monsieur arrive, un intellectuel lucide peut parler de changement? Quand il renvoie les signaux, il ramène les mêmes fils de Bongo à Gabon Oil Company, qui est la compagnie qui supervise les intérêts de la famille Bongo. Vous savez que la famille Bongo reçoit 18% des recettes pétrolières. Donc, quand on ramène un fils Bongo à la tête de cette entreprise, quand on reprend Opianga, le grand ami d'Ali Bongo, pour mettre ministre des Mines, quand on reprend Madame... On ne paie pas toute légitimité à servir son pays parce qu'on a appartenu ou parce qu'on appartient à une famille. Oui, ça, mais ces gens, là-dessus. Ils ont des choses. Oui. Quand, on est d'accord. Il y a des choses qui sont avérées contre eux. Quand vous prenez M. Opianga a participé au hold-up militaro-électoral sanglant de 2016. Donc il se trouve aujourd'hui ministre des Mines. Alors qu'il faisait partie des personnes les plus décriées. Si M. Brice Lacruche Alianga, Brice Clotaire Oligui Nguema, s'il avait écouté les Gabonais, il n'aurait pas pu prendre ce monsieur comme ministre des Mines déjà, parce qu'il était décrié. Et d'ailleurs, sur les réseaux sociaux qui constituent aujourd'hui notre indicateur, on a vu des voix célébrées que non, pas M. Opianga. Mais il a fermé les oreilles. Il avait dit, lui-même n'a pas... Alors, il a évoqué quand même un point qui est important. Lequel? Par rapport auquel il faut réagir, mais vous pouvez le faire directement. Et c'est la question de la disponibilité du personnel politique gabonais. La question, on va dire quoi? De la petitesse, de la taille du personnel politique gabonais. Si vous voulez mettre tout le monde de côté, parce qu'ils ont servi... Et dans un système qui a duré 56 ans, mais avec qui allez-vous à l'intérieur du PDG, il y a des personnes propres. D'accord. Moi, j'ai travaillé à l'Union qui est le d'accord. Là, il est en train de repréciser sa pensée. Donc, tout le monde ne peut pas... Je l'écoute religieusement. Tout le monde ne peut pas s'être... Mais vous pouvez répondre s'il évoque un point qui suscite en vous une quelconque réaction. Il y a des cadres qui sont restés intègres, bien qu'ils aient appartenu au PDG. C'est vrai, totalement. Qui n'ont pas volé, qui n'ont pas tué, qui ne sont même pas entrés dans les loges maçonniques... prédatrice de sang humain. Je connais beaucoup. Donc, M. Oligui Nguema, qui était patron de renseignement, il connaît qui est qui. Mais pourquoi s'est-il endetté à prendre des gens qui sont sales, qui ont du sang entre les mains, pour les mettre à des postes de responsabilité dans un Gabon qu'il prétend nouveau? Ce n'est pas des signaux forts, ça. Il aurait envoyé un signal fort.
Si. Je suis pas d'accord avec vous, monsieur Jonas Moulinda. Vous savez pourquoi? Parce que quand vous parlez de sang entre les mains, je pense que c'est un peu trop tiré par les cheveux. On parle là d'une transition. La transition n'est pas venue s'installer, par exemple. Elle est venue là avec ce qu'on appelle les gens qu'il faut, que le président Brice Clotaire Oligui-Nguema a choisi en disant « je vais avec eux ». Mais il n'est pas dit que ces gens-là vont aller jusqu'au bout. Je pense qu'il fallait, à mesure exceptionnelle, à des actes exceptionnels. Il a pris, aujourd'hui, quand vous regardez le Gabon, les bourses sont revenues, les enfants sont contents. Vous regardez le Gabon, les travaux des gens qui ont pillé le Gabon pendant des années ont repris. Vous avez dit tout à l'heure que M. Tomo fait dans l'émotion. Je ne fais pas dans l'émotion. Je constate aujourd'hui que quand je fais un poste en reprenant juste la voix du président actuel, où il dit aux Gabonais, comme celle d'hier, où son porte-parole dit que nous allons ramener cette mesure qui a été tant décriée en 2016 à l'époque d'Ali Bongo, où les voitures de moins de 3 ans ne pouvaient rentrer dans le pays, qu'on va les ramener à 8 ans. En moins de 2 heures de temps, il y a 12, 13, 15 000 Gabonais qui sont venus liker et qui sont venus partager. Vous croyez, vous avez dit que les réseaux sociaux sont un facteur d'indication, indicateur, mais vous vous basez sur quoi pour dire aujourd'hui que la machine est enrayée? Parce que moi, tout ce que je vois aujourd'hui, c'est des gens qui font des vidéos, par exemple dans Libreville, et qui disent oui. Que l'eau est en train d'arriver. Nous voyons l'eau, qui était une dorée rare à Libreville. Écoutez, moi, je crois encore, malheureusement, que mon compatriote n'est pas réaliste. Le point d'eau, pour parler de ce dernier point, oui. Il y a un problème crucial au niveau des installations de la SEEG. Même quand l'État a récupéré cet outil qui était géré par Veolia, l'État n'a pas réinvesti. Et les gens souffrent, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Mais là, il dit que l'eau est en train de revenir. En tout cas, il y a des Gabonais. Bon, on va laisser le temps au pouvoir. On a bien compris que vous ne partagez pas le même regard sur comment l'appareil politique est aujourd'hui animé. Sauf qu'on n'arrive pas à savoir. Moi, je veux même être provocateur en demandant même des noms qui sont aujourd'hui ces personnes que vous n'auriez pas souhaité voir autour du président de la transition ou animer la transition, puisqu'ils n'ont pas encore été condamnés par la justice. À partir du moment où vous n'êtes pas condamné par la justice, vous êtes présumé innocent, et donc vous jouissez de vos droits civiques. Et jouir de ces droits civiques, c'est de servir son pays. Monsieur Tobé, Monsieur Opianga, qui est ministre des Mines, on a des images et des vidéos lors du hold-up militaro-électoral qui a coûté la vie à des centaines de Gabonais au quartier général de Jean-Ping au soir de l'élection présidentielle de 2016. Monsieur Opianga était sur le terrain. Il coordonnait les opérations avec Frédéric. Ça, c'est un cas concret. Que répondez-vous par rapport à ce point précis? C'est un cas concret. Et je dis à préciser que M. Tomo, qui est là, nous avons tous marché au Trocadéro contre ça. Je suis surpris qu'il a brusquement oublié qu'on marchait. Je vais redire ce que dit souvent mon compatriote Jonas Moulinda. Vous savez, même si je suis allé au lit avec la femme de mon aîné qui est là, on va finir au corps de garde. Ce qui fait qu'en 2016-2017, quand Ali Bongo, président de la République, demande aux Gabonais de rentrer, j'étais un des plus grands ennemis d'Ali Bongo sur les réseaux sociaux et même dans l'organisation des marches. Monsieur Jonas Moulinda, c'est quelqu'un qui n'est pas concret. Et quand je parle de « il n'est pas concret », il est en face de moi. Je ne l'ai jamais vu dans une des réunions organisées par les fameuses marges. Non, il vient de donner un exemple. Non, mais j'en viens. Ok, d'accord. J'en viens. Mais oui. C'est-à-dire que quand on veut s'enorgueillir de quelque chose, il faut être à la racine de ça. Il dit, monsieur Opianga, moi, ce que je vois, je ne suis pas la justice, mais ce que je vois, parce que quelqu'un qui regarde le Gabon de loin sur les réseaux sociaux et quelqu'un comme moi qui a été au Gabon pendant 7 ans, qui a vu ce qui se passe au Gabon, monsieur Opianga est un des entrepreneurs aujourd'hui. C'est-à-dire que si nous mangeons des œufs au Gabon, c'est monsieur Opianga qui les produit. C'est un entrepreneur. Mais ça n'absout pas. Non, mais j'en viens. On est d'accord. Okay, j'en viens aujourd'hui. Okay. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce qu'on fait sur les réseaux, c'est que si demain matin,
j'ai envie de vous accuser de quelque chose, il suffit que j'allume ma caméra sans contradiction et compagnie. Moi, je pense que la justice est faite pour tout le monde. Qui pensait voir aujourd'hui la femme du président Ali Bongo en prison? Donc, si je comprends bien, M. Opianga est au-dessus de Sylvia Bongo. Je ne pense pas. Je pense qu'il faut être réaliste et il faut prendre l'attention. Le pouls aujourd'hui, c'est que M. le président Brice Clotaire Oligui est là pour servir les Gabonais. Et il le démontre. Mais moi, la grande question que j'ai pour mon collègue, c'est que si réellement il dit qu'il y avait des gens capables, pourquoi lui-même se met à l'écart en envoyant les autres? Ça veut dire que je ne pense pas. Je pense que pendant Bongo, il a critiqué. Pendant Ali, il a critiqué. Pendant Oligui. Qu'est-ce qui se cache derrière ça? Il va vous répondre. Je voudrais dire... Très rapidement, et puis on va marquer une courte pause. Allez, très bien. Oui, monsieur Tomo, encore émotif. Je voudrais qu'il ait un maximum de détachement émotionnel. Parce que Brice Clotaire de Guinguema, nous tous l'avons critiqué. Parce qu'il a servi la machine qui a broyé de nombreuses vies au Gabon en tant que patron des services spéciaux, en tant que tortionnaire. Donc, quand lui, il parle de M. Opianga a été cité dans plusieurs affaires louches. Vous savez qu'en France, lorsque vous êtes déjà cité dans plusieurs affaires louches, on ne peut pas vous prendre pour vous mettre à un poste de responsabilité. C'est la moindre des choses. Sauf qu'aujourd'hui, le problème de monsieur, je comprends d'ailleurs, c'est humain, le problème de monsieur Oligui Nguema, c'est qu'il a fonctionné avec des gens, avec une façon particulière. Donc, il se retrouve plus proche de ces gens-là. Et ils ont partagé certaines valeurs, peut-être aux antipodes de nos mœurs, ensemble. C'est des spéculations. Vous avez affaire à un journaliste d'investigation, donc je connais. On est fatigué de ces refrains. Nous sommes dans le Gabon nouveau. Nous sommes dans. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous reprochez? Qu'est-ce qui enraye pour vous la machine? Parce que depuis que nous sommes là, vous ne parlez que des hommes. Nous sommes en train de parler de ce qui se passe dans la transition. Ces hommes ne peuvent pas incarner le changement parce qu'eux-mêmes, ils sont impliqués. Quand vous prenez M. Oligui Nguema, quand il dit... Bon, d'abord, il a dit qu'il est là pour servir le peuple gabonais. C'est ça. Mais M. Oligui Nguema, le 18 septembre 2023, lorsqu'il s'adresse à la garde républicaine, dont il a la charge jusqu'à aujourd'hui, il avait dit, quand je vous regardais, je sentais en vous cette volonté de changement. Vous aurez voulu le changement, et ce changement pas par n'importe qui, par moi. Est-ce que vous voyez jusqu'où il ramène? Alors, ça signifie quoi? C'est que c'est une affaire personnelle, et plus loin, il dit, ils l'ont insulté à trois reprises, que le fils d'Ali Bongo l'a insulté à trois reprises, et que la femme d'Ali Bongo l'a manqué de respect, et que c'était ou eux, ou lui. À ce moment-là, il montre qu'il n'est pas porteur d'ambition, Il montre qu'il n'est pas porteur d'ambition, voilà. Que c'est règlement. Et je vous précise. Mais très rapidement, on marque une pause. Oui, il avait même déjà été viré par Sylvia Bongo. Il est allé voir Mborantso, la présidente de la Cour constitutionnelle qui a été évincée, pour dire, on vient de me virer, il faut que tu interviennes. Et Mme Mborantso prend son téléphone, appelle Sylvia pour dire que tu ne peux pas te permettre de virer Oligui Nguema parce que la garde républicaine, il y a beaucoup de troupes qui vont voter et qui sont... Je propose qu'on marque une courte pause. On revient dans quelques instants. Vous pourrez continuer avec le récit par rapport au président actuel. À tout de suite. NCA, la nouvelle chaîne africaine. Deuxième partie de Frontal, votre rendez-vous qui nous plonge au cœur de l'actualité politique sur le continent. Alors, le numéro de ce jour, nous l'avons vu, est consacré au Gabon, où nous faisions le décryptage des 100 premiers jours du président Brice Oligui Nguema. Une nouvelle invitée m'a rejoint, Sadio Morel. Kanté, vous êtes journaliste, analyste politique. Merci de nous avoir rejoint. Et monsieur Tomo Ngwamze est resté avec nous, de même que Jonas Moulinda. Et justement, vous, Jonas Moulinda, vous étiez en train de nous
nous raconter une petite anecdote par rapport à Sylvia Bongo, qui avait déjà pris la décision de chasser du palais à Libreville l'actuel président de la transition. Il avait déjà viré M. Brice Kotero-Leguingama pour le faire remplacer par César Kourakou, qui était le patron des services spéciaux. Mais tout ça est resté officieux. Oui. On est d'accord. Voilà, c'était sur intervention de Mme Mboronto. Oui. Qui a été rétabli parce que Mme Mboronto a argué des raisons électorales en disant que si M. Oligingama était viré, ça allait causer un problème au niveau de la GER qui pouvait voter contre Ali Bongo. Donc, maintenant, lui, c'est un peu comme ce qui s'est passé au Niger, où Mohamed Bazoum a été viré par son chef d'état-major qu'il voulait virer. Donc, c'est ce qui s'est passé au Gabon. Donc, on ne peut pas dire que M. Brice Kotero-Leguingama a fait ce coup d'état-là pour libérer le Gabon. C'est vrai que par ricochet, ça a libéré le Gabon. Mais ce n'était pas son objectif principal, voulez-vous nous dire? Non, il voulait se protéger parce que c'est ce que lui réservait cette dame-là. Oui. Il faut quand même reconnaître que Mme Sylvia Bongo n'est pas une enfant de cœur. Hein. Donc, quand elle traite les gens, vous avez vu comment elle a traité M. Brice Lacruche-Alianga, qui a été très proche d'elle. Vous avez vu comment l'envoyer en prison. Donc, Brice Kotero-Leguingama savait très bien jusqu'où. Et comme là, pouvait partir. Et comme la roue de l'histoire tourne. Et aujourd'hui. C'est elle qui est toujours dans la prison. Je parlerai de spéculation. Oui. Il y a un an, j'étais dans un avion avec le président actuel, Brice Kotero-Leguingama. Nous accompagnons le premier voyage du président Ali Bongo. Nous l'accompagnons à Makoko. J'ai pris le même vol que Brice Kotero-Leguingama. Nous sommes arrivés sur Makoko. C'est-à-dire que vous savez comment ça se passe, ça veut dire que... Makoko, c'est dans quel pays? C'est toujours au Gabon? Au Gabon. Ah, d'accord. Dans le nord-est, d'accord. Donc, quand on est arrivé, ils ont fait l'emplacement, Brice Kotero était là, j'ai vu M. Ali Bongo qui peinait à marcher. Vous savez... Moi, j'aime bien les histoires parce que j'aime bien mon aîné. Quand on était jeune, on avait une émission qui s'appelait Les aventures mystérieuses de Patrick Nguema. De Patrick Nguema, donc, oui. Monsieur Jonas Moulinda raconte les histoires telles que son ancien collègue. Parce que, vous savez, vous ne pouvez pas ne pas avoir approché Oligui de très près, ou Mboronto de très près, ou Sylvia de très près, mais raconter des histoires avec une exactitude, ça veut dire qu'il n'y a que votre subconscient ou votre cerveau qui y croit. Monsieur Tomo, je suis journaliste, j'ai le contact de tous les gouvernants du Gabon, y compris de votre ministre. Laissez-moi terminer. Donc ce n'est pas l'aventure mystérieuse. Il ne pourra pas venir de mentir. Il avait été déjà viré, il y avait des dissensions à l'intérieur de ce régime déjà, voilà, ce qui aboutit à ce coup d'État. Voilà déjà ce que beaucoup de Gabonais vous reprochent. Vous savez, vous ne pouvez pas arriver sur les réseaux, il faut respecter quand quelqu'un et en veste, il faut le respecter. C'est-à-dire qu'il a porté aujourd'hui la veste de président de la République. Ne fait pas le moine, monsieur. Non, mais laissez-moi terminer. D'accord. Vous l'appelez en le tutoyant. C'est un président de la République. Que vous le vouliez. Il n'est pas président de la République, monsieur. Pas du tout. Il faut qu'on soit d'accord. Pas du tout. Il est président de transition. La constitution gabonaise de 1991, sur laquelle on s'appuie d'ailleurs. Est-ce que vous me laissez terminer On ne peut pas vous laisser dire ça parce que vous êtes en train. J'avais dit déjà qu'à force de faire des éloges à un chat, il finit par se prendre pour la panthère. On est en train d'amener Oligui Nguema vers la dictature. Il va mettre en place une dictature militaire, on va en parler de ça, parce que les Gabonais sont en train de faire des dithyrambes en faveur, en disant qu'il est président de la République, chef de l'État. Aujourd'hui, dans Libreville, on retrouve la photo de Nguema partout, comme si on était en campagne. C'est vrai que sur le plan sémantique, il ne faut pas dire on est président de la République quand on est élu. Mais on a compris ce qu'il veut dire, c'est aujourd'hui. Ce qu'a voulu dire M. Nguanze, on est d'accord. Ce qu'il veut dire, il est la première autorité, la plus haute autorité aujourd'hui. Je pense que c'est ce que vous vouliez dire. Je pense qu'aujourd'hui, quand quelqu'un est chef de l'État, quand on s'adresse à lui, vous dites que vous le criez à qui veut l'entendre, vous êtes journaliste d'investigation. Mais on a le droit de critiquer. Hein. Vous avez critiqué Ali Bongo. Mais je vous demande. Vous avez tutoyé Ali Bongo. Pourquoi ce n'est pas valable pour M. Oligui? Non. Aujourd'hui, ce que je constate, c'est que vous êtes là où on n'a pas le droit de critiquer M. Oligui Nguema. Un tortionnaire est devenu brusquement un guérisseur de cruel. Mais il faut qu'on sache que M. Tomo.
vous êtes en train de faire dans l'émotion. Je suis pas en train l'émotion, de... je vous dis des choses. Vous m'empêchez de placer... Bon, alors... Allez-y. On laisse M. Nguam... La mise au point, elle est faite. Hein. On s'est compris. C'est un malentendu sémantique, mais on s'est compris. On a bien au compris. Gabon, on aime les formations sémantiques, là. On parle de coup de liberté à la place de coup d'État. Ça, c'est le problème. D'accord. Mon nom, c'est Tomo Nguam. C'est E. Nguang. Ah, ok. Nguang. Tomong E. Nguang Nze. C'est moi. Nguang Nze. C'est-à-dire que mon nom de famille, bon. C'est alors, Tomong... pour faire avancer, monsieur, pour faire avancer le débat, cette partie est consacrée au bilan. Oui. En 100 jours, de façon concrète, pêle-mêle, pas besoin de. De façon concrète, qu'est-ce que vous pouvez ressortir aujourd'hui, évoquer aujourd'hui, et qui peut être mis à l'actif du gouvernement, enfin, du président de la transition, très rapidement. Je commencerai par l'oxygène. Aujourd'hui, les Gabonais sont oxygénés. Ça veut dire qu'on n'arrivait plus à respirer à l'époque de Mar-Bongo. D'accord. Quand vous regardez dans le concret, aujourd'hui, le social est pris en compte. Les Gabonais sont pris en compte. Ça veut dire qu'aujourd'hui, même sur les réseaux sociaux, des appels à l'aide sont tout de suite pris en charge. Mm. Nous avons eu un fait marquant où il y a des routes qui ont été coupées. Ce qui faisait, comme le disait l'ancien député à Couré d'Avin, un an, un kilomètre, sept ans, sept kilomètres. Et en le disant, nous avons vu une route coupée qui a été réalisée en moins de 48 heures. Mm. Ça veut dire que c'est faisable. L'espoir tant attendu au Gabon est aujourd'hui. Je n'ai jamais dit que M. Brice Oligui, qui est chef de l'État, est un dieu. Je dis juste qu'aujourd'hui, il a besoin de tous les Gabonais, alors, de toutes les forces. Côté infrastructure, ok, des choses se font. Dans quel plan encore avons-nous aujourd'hui un résultat concret à évoquer? Les résultats concrets, aujourd'hui, nous parlons de dette extérieure qui a été remboursée dans sa totalité en moins de 3 mois. Ça n'a jamais été fait. Pas dans sa totalité quand même. La dette intérieure est encore là, la dette, ce n'est pas vraiment dans sa totalité. C'est Mais faites allusion aux 158 milliards, par exemple, qui ont été pris à la banque, enfin mobilisés, et notamment à EcoBank. C'est vrai que c'est des éléments qu'on peut quand même évoquer. Sans oublier la reprise des recrutements dans la fonction publique, sans oublier la restauration des bourses scolaires, etc. Ce sont des éléments qui sont quand même... avant de venir à vous, allez-y très rapidement. Il faut qu'on soit sérieux. Monsieur Tomo parle de route. Ce n'est pas une route, c'est un pont qui a cédé. OK ? D'accord. Non, il faut être précis. D'accord. C'est un pont qui a cédé et on a fait du rafistolage. Parce qu'à l'instant, on a coupé des grues, mon ami... Et puis, on a mis la latrite, on a bitumé. Oui. Et on a demandé au véhicule de passer. Mais monsieur, dans un pays sérieux, comme dans lequel nous vivons. Bon, au moins, c'était coupé avant. Mais au moins, c'est là, c'est rétabli. Oui, d'accord. On aurait pu faire une. Ah, mais ça, c'est sûr. On aurait pu faire une voie de contournement au lieu d'exposer déjà les usagers à utiliser cette route qui a été rafistolée. Parce qu'on peut arriver à un drame avec les intempéries qui passent à ce moment-là. Donc. Vous parlez de recrutement à la fonction publique. Mais monsieur, le fichier de la fonction publique aujourd'hui a 100 000 agents. On a fait un appel pour recruter 100 000 agents. Or, nous avons déjà des problèmes avec les 100 000. Ce n'est pas possible. Le premier ministre chef du gouvernement, monsieur Raymond Donsima, a dit que ce n'est pas faisable. Avec quel budget va-t-on payer ces personnes-là? Est-ce que pour développer un pays, il faut passer par la fonction publique? Moi, je pensais qu'il allait encourager l'entrepreneuriat. C'est une question qui a sa pertinence. Ça vient obérer les charges de l'État ici. Donc, la solution n'était pas... Il ne peut même pas recruter les 100 000 personnes. Donc, ça fera 200 000 fonctionnaires. Monsieur Jeunesse, excusez-moi. Mais quand vous ne faites que pointer du doigt, quelles sont les solutions que vous, en tant qu'individu, parce que vous avez vécu, vous l'avez dit, 7 ans dans ce pays... Qu'est-ce que vous avez apporté aux Gabonais, à part la critique à gauche, dire ceci à droite, aller regarder dans le caleçon de tel. Moi, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes en train d'essayer, tous les fils du Gabon sont appelés à être comptables de ça. Et vous en faites partie, parce que vous êtes une figure emblématique de ce pays. Monsieur Thomas, je vais vous dire que je suis démocrate depuis l'âge de 15 ans. Un démocrate n'encourage pas les putsch, le coup d'État. Si M. Oligui était à ma place, enfin si j'étais à sa place, parce qu'il ne serait jamais à ma place, si j'étais M. Oligui,
D'abord, le coup d'État, vous savez, si on parle, j'ai dit tout à l'heure que la transition était mal amanchée, parce qu'il arrive, il met en place une charte qui n'est pas claire. Mais ça, c'est ça, à l'occasion du dialogue inclusif en 2020. Dialogue national. Le dialogue, c'est un prétexte pour légitimer. Il veut se séparer d'une légitimité en disant c'est le peuple gabonais qui a décidé qu'on prolonge la transition et que je me porte candidat. Ça, c'est. Monsieur, on a eu 1001 dialogues. On parle déjà de la conférence nationale de 90. On parle des accords de Paris en 94. Et on a eu le dialogue d'Arambo, on a eu le dialogue d'Agondji, on a eu beaucoup de dialogues. Est-ce qu'on a encore besoin de dialogues? Le Gabon n'a pas besoin de dialogues aujourd'hui. On connaît tous les problèmes des Gabonais sont connus. Il suffit d'appliquer les lois qui sont là. Il suffit d'appliquer les résolutions qui ont été arrêtées dans ces dialogues-là. Ce qui aurait été intéressant pour le Gabon, après tant de blessures, le Gabon a été blessé dans son âme plusieurs fois par le système Bongo. Il y a eu des maîtrisures. Maintenant, qu'est-ce que... Si M. Oligui veut une vraie réconciliation, mais il ne saurait avoir réconciliation sans justice. Il aurait mis à la place de ces dialogues-là une commission vérité et réconciliation pour les assassinats qu'on a connus avec prélèvement d'organes sous Ali Bongo, même bien avant Omar Bongo, bien avant Ali Bongo, parce que sous Ali Bongo, il y a plus de 1700 personnes qui ont été assassinées. Donc, il aurait mis en place une commission vérité et réconciliation et non un dialogue. On est d'accord. Est-ce que vous avez terminé? Le point est compris. Alors, c'est intéressant. Laissez-moi terminer. Allez-y, très rapidement. Donc, si il mettait en place une commission vérité et réconciliation, on appliquait les résolutions qui sont déjà dans les différents dialogues parce que c'est un forum où on va encore dépenser beaucoup d'argent. C'est vrai. Après, il faut faire encore le référendum. Ça va coûter de l'argent. Alors, le pays est aujourd'hui. Pratiquement étranglé financièrement. Donc, à partir du moment où il y a le jet d'une nouvelle constitution, il faut passer par un référendum pour valider la constitution, oui, pour adopter la constitution. Mais pas, on n'a pas besoin de dialogue. On est en train de créer des petites associations pour appeler M. Oligui à se porter candidat. Vous avez évoqué un point très important. Oui. C'est la question de la justice. La question de la justice. Et on se souvient, le jour du putsch, le 30 août 2023, le porte-parole des militaires de l'époque a annoncé des arrestations. C'est le même qui est toujours là. Il est toujours là. Des arrestations, des gens qui se sont rendus coupables de délinquance financière, de détournement, etc. Après la suite, on la connaît. Certains sont en prison, selon M. Moulinda, d'autres ne le sont pas encore. Vous, Sadio Morel et Kanté, au regard de l'échange auquel vous venez d'assister, quel est le regard que vous portez justement sur cette transition, sur ces 100 premiers jours que vient de passer le président Oligui Nguema à la tête je constate que les 100 premiers jours de Nguema ont servi pour le moment à l'asseoir, lui, personnellement. N'oublions pas qu'il s'agit d'un putsch. N'oublions pas que dans les faits, si lui-même a reconnu qu'Ali Bongo avait perdu les élections, normalement, Ali Bongo avait un challenger qu'il fallait consulter. Après avoir déposé Ali Bongo, cela n'a pas été fait. Et on a constaté plutôt que monsieur le président de la transition a fait le tour de l'Afrique centrale, là où sévissent les plus gros requins qui n'ont pas pu le sanctionner pour un coup d'État qui est un crime imprescriptible dans sa constitution. Requin, je ne sais pas, je vous laisse. Mais oui, c'est moi qui. L'Afrique centrale, c'est l'antre des dictateurs. C'est l'antre des. Parce qu'il n'y a pratiquement personne là-bas qui a moins de 20 ans au pouvoir. Et donc, on veut nous faire croire aujourd'hui que le putsch est beaucoup plus important que la manifestation, l'exercice populaire, la voix du peuple, qui ne saurait mettre à l'écart du fonctionnement d'un pays. Le pouvoir militaire aujourd'hui qui prend racine, je sais qu'il n'est pas le seul militaire, mais au vu des militaires qui sont déjà dans la région, on n'a vu personne à Kanté. Quand vous arrivez nouvellement dans un écosystème politique, le premier souci, c'est pas d'abord d'aller faire la paix avec ses voisins, d'aller s'assurer de ce que... Le premier souci, c'est de dire d'abord à son peuple combien de temps reste, le plus court possible. Oui. Ça, c'est le plus court possible, à défaut de se constituer soi-même prisonnier, parce qu'on a commis un crime quand même imprescriptible. On ne peut pas accepter... Nous le voyons au Sahel aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Des chefs d'État qui se constituent, qui se donnent du pouvoir, qui se disent eux-mêmes la voix du peuple pour taire toute vérité de contradiction. Alors, je ne sais pas, ça a du moral. Alors, la charte telle que proposée prévoit un dialogue national en 2024 et les élections en 2025.
Les élections. Ou bien, j'ai pas bien. Pour un coup d'État qui s'est passé en 2023. Août 2023. 45 jours normalement aurait suffi. Suffire. Je suis pas d'accord. Organiser. Je suis pas d'accord avec vous. Oui, mais ne soyez pas d'accord. Aujourd'hui, donne mon point de vue. Oui, et je pense qu'il est à prendre en compte, même si vous n'êtes pas d'accord, et qu'il soit sujet à discussion. Donc je vais non, dire. Non, on laisse celui qui n'est pas d'accord d'abord. Oui, non, mais moi j'ai pas fini. Je viens de prendre la parole. Donc, mais les dates sont déjà connues. Les dates des futures élections. Oui, et on sait d'expérience. Donc, ça, c'est pour qu'il y ait de la clarté dans l'édition. Les dates, d'expérience, si. on sait que quand une transition est amorcée, le minimum, c'est 18 mois. Voilà. Là, il nous parle de 2 ans oui, non discutés. Le minimum, oui. Non discutés. 2 ans non discutés avec possibilité de rallonge. Parce que monsieur veut mettre une commission qui, d'ores et déjà, la plupart des Gabonais de son entourage disent qu'il est même souhaitable qu'il aille le plus longtemps possible. J'ai entendu ça. Ces aberrations-là, il faut qu'on les laisse de côté et qu'on sauve l'Afrique. On sauve l'Afrique parce que... Moi, je vous laisse répondre Moi, en fait, je me dis, est-ce que vous vivez vraiment dans le même monde que le nôtre? Parce que je me rends compte que j'ai l'impression que quand on dit sauver l'Afrique, mais vous, comment quelqu'un... Attendez. Il faut des sens. Je pense que déjà, on est sur le même rapport. Attendez. C'est concret que vous avez un micro à côté du mien. Attendez. C'est concret, là. Est-ce que vous regardez, il y avait qui, quand le Gabon... Quand c'est pas une raison, non, monsieur. Madame, laissez-moi terminer. Vous avez eu le temps de parler. Non, c'est mon temps de parole. Non, je lui ai laissé la parole. Il voulait vous répondre. Il a abordé une question, je pense qu'il faut que je réponde. Quel point il a abordé? Il dit que le pouvoir qui était là, c'est vrai, 55 ans d'un pouvoir familial, personne ne le conçoit. Mais Oligui fait partie de la famille. Il n'est pas dit non plus qu'il faille accepter un pouvoir qui est déjà illégitime à la base. Donc c'est de faire tout, maintenant, tout de suite, et de fixer d'accord, les règles. Il va vous répondre. Moi, je suis en train de vous dire, vous avez déjà, quand vous arrivez, j'ai l'impression que vous ne maîtrisez même pas le dossier. Parce que vous dites qu'il fallait qu'on vous dise quand est-ce, combien de temps, et comment ça va se passer. Je crois que ça a été fait dans une charte. Je n'ai pas demandé à ce qu'on me le dise, je le sais. Mais si vous le saviez, pourquoi vous dites que quand il arrive au pouvoir, il faut qu'il dise combien de temps? Mais parce qu'on ne sait pas. Lui, il y a 2 ans qui sont prononcés, ce n'est pas lui qui le prononce, c'est l'entourage qui le dit. Madame, et on nous parle encore d'un dialogue il va vous répondre. Il va définir la date de la vraie transition, donc on ne sait pas. Allez-y, monsieur. Madame, moi je vais répondre avec beaucoup, beaucoup d'éclairage. C'est-à-dire que ce que vous-même, vous ne comprenez pas, c'est que quand on arrive, vous dites que son pouvoir est légitime. Illégitime. Quand vous le dites, ça veut dire que vous ne comptez pas sur nous qui sommes Gabonais. Mais je crois que les Gabonais ont encore... Non, mais laissez-moi, vous ne comptez pas sur nous. Parce que nous, aujourd'hui, on avait besoin de quoi? Vous savez, à la dernière élection présidentielle, s'il y avait eu un chien au pouvoir contre M. Ali Bongo, je pèse mes mots, on aurait voté pour le chien. Ça veut dire que nous étions arrivés là. Aujourd'hui, vous parlez de pouvoir illégitime. Mais il est illégitime où? Et par qui? Qui détermine aujourd'hui qui est légitime? Non, ou illégitime? Non, monsieur Ngwamze, laissez-moi terminer. L'illégitimité se mesure, c'est pas à l'absence d'élection, c'est non, ça. Non. C'est-à-dire le seul repère. Laissez-moi vous dire. Okay. On a eu des centaines d'élections en Afrique qui n'ont jamais amené la. Ah, c'est une autre question. On est d'accord. Beaucoup de présidents sont tombés parce qu'ils veulent le troisième mandat. C'est-à-dire que quand ils arrivent, Ali Bongo a voulu le troisième mandat, il est tombé. On a eu des présidents comme Alassane Dramane Ouattara qui ont forcé le troisième mandat. Le problème aussi aujourd'hui en Afrique, c'est qu'on préfère que le peuple souffre, meure de faim. Revenons au bilan concret des 100 premiers jours. C'est de ça qu'il est question dans cette partie. Les 100 premiers jours, je pense que je vous ai énuméré parce que vous m'avez demandé d'être concret. Aujourd'hui, quand vous regardez aujourd'hui les Gabonais dans leur entièreté, vous avez un seul slogan. C'est Brice Clotaire-Oligui fait du bon boulot. En disant bon, derrière, lui, il est Gabonais, mais il ne dit pas ça. Non, en disant derrière qu'il faut qu'il nous montre les preuves de ce qu'il est venu faire. Parce que les Gabonais, aujourd'hui, ne sont pas dupes. Parce que les gens ont l'impression que Oligui est arrivé, c'est Jésus-Christ. Non, Oligui n'est pas Jésus-Christ. Oligui, aujourd'hui, se sert du ressenti des Gabonais pour pouvoir mettre en place sa transition. Mais nous avons des Africains, nous avons des Gabonais qui ne peuvent pas essayer d'abord d'accepter le fait que c'est une transition qui a aujourd'hui 3 mois. En 3 mois, il a réussi à faire ce que le pouvoir n'a pas réussi à faire en 55 ans. Vraiment ? Il a fait quoi ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Non, mais
En 55 ans, 55 les Gabonais n'avaient plus d'espoir. Je vous dis, pendant 55 ans. Aujourd'hui, j'en ai 39. J'en ai 39, je le sais. Le 26 décembre, là, je vais avoir 39 ans. J'ai vécu sur l'ère du père. J'ai vécu, c'est-à-dire que tu ne pouvais même pas t'exprimer aujourd'hui. Aujourd'hui, les Gabonais s'expriment. Aujourd'hui, quand un Gabonais est agressé, il sort son téléphone, il parle. Le lendemain, vous voyez ce Gabonais. C'est-à-dire que on a, je vous ai dit quand vous avez commencé à parler, je vous ai parlé de l'oxygène. On a aujourd'hui un bol d'air. On arrive à respirer. Mais on ne nous laisse même pas le temps de nous organiser parce que nous n'avons connu que ça, que les bongos. Nous sommes, tout ce qui est là est nouveau. Mais vous voulez qu'on fasse des choses telles que c'est écrit dans la Bible. On ne peut pas. Avant que vous ne lui répondiez, je propose qu'on marque une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre émission que j'invite nos téléspectateurs à suivre sur www.nca-tv.com. À tout de suite. NCA, la nouvelle chaîne africaine. Troisième et dernière partie de Frontal, votre rendez-vous dans le numéro de ce jour est consacré au Gabon, où nous faisions le décryptage des 100 premiers jours du président de la transition gabonaise, Brice Oligui Nguema. Très rapidement, Jonas Moulenda, quand je vous invitais à participer à cette émission, vous me disiez que le président de la transition gabonaise, Brice Oligui Nguema, s'apprête à s'éterniser au pouvoir et à instaurer une dictature féroce, pire que celle des bongos. Quels sont les éléments objectifs qui vous font à dire ça? Je fonde ce pessimisme-là sur la base des actes qu'il a posés par le passé en tant que responsable des services spéciaux de la présidence de la République, qui ont toujours torturé les Gabonais parce qu'ils sont arrêtés. Aujourd'hui, il y a une Gestapo qui l'a supervisé. Une Gestapo? Ah oui, il y a une Gestapo. Qui... Aujourd'hui depuis Ali Bongo, celui, lorsqu'il a été rappelé après son... après avoir servi au Maroc et au Sénégal, il a pris des services spéciaux. Ils ont mis en place une Gestapo qui traquait les activistes. Monsieur Tomo, là, il ne peut pas dire le contraire parce que même nous, en France, nous étions traqués. Donc, ce monsieur, oui. Vous savez qu'il était le véritable, le vrai ministre de la Défense. Ce n'était pas Madame Ngoubili. Madame Ngoubili, félicité, n'était qu'un factotum qu'on a mis là. Mais toutes les décisions se prenaient, même les généraux qui avaient les galons, c'est Brice Côté-Rodrigue. Ali Bongo a donné une grande marge de manœuvre. Même sur le plan budgétaire, on a multiplié le budget de la garde républicaine par 3. Et donc, Brice Côté-Rodrigue Nguema, qui n'a jamais aimé la contradiction, vous vous souvenez, en juin dernier, il y a eu un jeune homme qui avait fait une prise d'otage sur un site pétrolier à Mandji, dans le département de Ndoul, dans la province d'Angounier, le jeune Glenn Mondende, pour avoir protesté contre les mauvaises conditions de vie. Je connais là-bas parce que c'est ma région natale. Brice Côté-Rodrigue Nguema a envoyé des gens pour abattre ces gars-là, qui étaient sans armes. Il y a des preuves pour ça? Oui, bien sûr. Vous avez des preuves pour ça? J'ai des preuves. Si vous voulez, je peux vous les transmettre. Il y a eu, depuis que les militaires sont là au pouvoir, il y a des dérives autoritaires. Il y a un autre jeune qui s'appelait Karl, qui a été tué par l'armée parce qu'il a violé le couvre-feu. Est-ce que dans un pays sérieux, lorsque vous pouvez violer le couvre-feu, la sentence, c'est la mise à mort? Il n'aime pas la contradiction, dites-vous. Mais alors, vous allez nous expliquer, puisqu'il a décidé qu'on donne la parole aux Gabonais et a initié donc le recueil des propositions des Gabonais. Et en septembre dernier, le Premier ministre a recueilli 17 000 propositions venant des Gabonais, censées alimenter, étoffer les conclusions de votre dialogue national inclusif prévu en 2024. C'est du bluff Tout ça, oui. ce sont des méthodes dilatoires. D'accord. Monsieur Oligui Nguema veut gagner du temps. Donc, vous avez vu, quand vous voyez, il dit, de telle période à telle période, on pose ça. Après, il va se passer deux mois. Après, on pose encore un autre. N'oubliez pas que je vous ai parlé des aventures mystérieuses de Patrick Guémandon. Ça veut dire que nous sommes toujours dans le factory. Monsieur Alain Covenia d'être jeune et d'avoir des expériences. Vous pouvez apporter des éléments contradictoires qui permettent effectivement de... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, monsieur Jonas Moulenda,
se prétend être un journaliste d'investigation. Il n'a jamais amené aucune preuve. Je suis journaliste d'investigation. C'est-à-dire qu'il a été. Je crois qu'il faut dépersonnaliser le débat un peu pour rester dans le sujet. On parle de M. Olivier. Il a été 7 ans en France. Il n'a jamais travaillé comme journaliste nulle part. 7 ans en France. Vous pensez que. Mais il a le droit d'avoir son opinion, on est d'accord. Je suis d'accord. Okay. Mais qu'on a. Est-ce que le fait de travailler en France dans un média français fait de toi le journaliste? Qu'on arrête d'écouter ces élucubrations. Je me rends compte qu'aujourd'hui, il ne fait que dire ce que lui-même il veut dire. Laissez-moi terminer, M. Thomo. Je suis un démocrate. Je ne peux pas vous laisser. Je ne me mets pas avec des militaires pour donner une caution morale à l'illégitimité, à l'imposture. Or, M. Oligui Nguema est dans cette démarche-là. Qu'est-ce qui se prépare? Bon, quand il parle, j'entends les pédagogistes dire qu'il a fait en 3 mois ce que d'autres présidents n'ont pas fait. Mais ils sont incapables de dire qu'est-ce qu'il a fait concrètement. Le bon, c'est du rafistolage. Je pèse et sous-pèse mes mots. Quoi d'autre? La dette. Il est allé emprunter l'argent dans une autre banque pour remplacer, pour payer une partie de la dette. Le problème n'est pas résolu. Rien ne trouve grâce à vos yeux. Non, mais c'est parce qu'il est toujours dans son aventure. Non. Ah, attention, non. Il a le droit. Monsieur, on a le droit. Il y a des choses qui sont vérifiées. Non. Il y a des gens qui nous écoutent. Monsieur, il faudrait que nous soyons sérieux. Les milliards ont été pris où? À Ecobank. C'est vrai. Et une banque qui est déjà en difficulté. C'est vrai. Demandez, monsieur, quand on parle de bilan, l'argent, les 3 000 milliards qu'on a découvert chez Sylvia Bongo, chez les autres oligarques, on a amené cet argent où? Pourquoi l'argent n'a pas été reversé au trésor public à travers la caisse de conciliation des dépôts? Ça, c'est une question qui est pertinente aussi. Vous pouvez répondre à ça. Pourquoi l'argent qu'on nous a montré à la télé... C'est déposé à la banque BGFI qui est gérée par son oncle maternel, Henri-Claude Ohima. Laissez-moi terminer, monsieur Thomo. Je sais que ça vous fait mal qu'on dise ces vérités parce que vous tentez de masquer la vérité au Gabon. Je vous dis aujourd'hui, par exemple, Gabon Télévision est devenu Origi TV. Il n'y a plus de contradictions. Matin, midi et soir, c'est Origi. On ne voit plus rien. Bon, donc, rien n'a changé. On est là pour apporter la contradiction. On nous parle de la liberté. Les Gabonais sont en liberté surveillés. Je suis désolé. Il n'y a pas de liberté dès lors que la télévision nationale est confisquée par le même régime. Ça n'a changé. Est-ce que vous pouvez me dire aujourd'hui si on a arrêté? Revenons sur le bilan, M. Thomo. Rien, qu'est-ce qui a été fait? On dit qu'il a fait en 3 ans ce que l'autre n'ont pas fait. Il a fait quoi concrètement? Il nous parle de Libreville 2. Mais vous parlez de Libreville 2? Vous n'avez pas encore réglé les problèmes de Libreville 1, les gens qui sont là? Mais quand il prend le pouvoir, il dit qu'il vient pour restaurer les institutions. Libreville fait partie des institutions, monsieur Thomas, vous allez me répondre après. Est-ce que Libreville fait partie des institutions? Pourquoi il n'a pas il n'a pas de boussole, en fait. Il fait du pilotage à vue et réajustant un peu ses actions sur la base de critiques. Donc, monsieur Oligui Nguema n'a rien fait. Quand on vous parle de le Premier ministre, vous savez, aujourd'hui, ils sont en rupture de banc entre le Premier ministre et lui. En tout cas, parce c'est pas le Premier ministre découvre. En tout cas, pour l'instant, c'est lui qui l'a nommé, il est toujours Premier ministre. Oui, il est toujours Premier ministre. Mais il découvre, comme les autres Gabonais, des décisions à la télévision. Comment vous pouvez comprendre qu'il nomme quelqu'un Premier ministre, mais il dit dans sa fameuse charte que les ministres ne rendent pas compte au Premier ministre, ils rendent compte directement au président. Oui, mais il est. Donc c'est un factotum, mais le Premier ministre ne sert à rien. De renforcer le présidentialisme. Le présidentialisme gabonais. Il nomme les députés, il nomme les sénateurs, mais il aurait pu mettre en place une assemblée constituante. Tout ça, ce sont les signes de dictature. C'est un point aussi important. Une assemblée constituante. Mais c'est ce qui va se passer en 2024. En 2024, le paysage politique est sclérosé aujourd'hui. Il n'y a plus de partis politiques, comme il a dit, il n'y a plus d'opposition, il n'y a plus de majorité. Ce sont les militaires qui ont pris le pouvoir. Vous n'allez pas critiquer. Même les syndicats, il a pris... Oui, mais dans tous les pays où il y a eu putsch, c'est comme ça. Bon. Donc, c'est une dictature à la... C'est une petite parenthèse où les... Effectivement. Alors, très rapidement, on reviendra sur... C'est sur ce plan qu'il a fait ce que l'autre n'a pas pu faire. Oui, parce qu'Ali Bongo lui accordait quand même un petit temps pour faire... Avec le temps qu'on a découvert les talents des dictateurs d'Ali Bongo qui met à la perfection Yadema, Mobutu, Kérékou, mais pour Oligui, ça saute à l'œil nu. Tout ce qu'il peut faire s'il aime le peuple gabonais, qu'il abrège, qu'il écoute son mandat de transition là, pour organiser le plus rapidement possible les élections, parce qu'aujourd'hui le Gabon est en rupture de banc. Encore une fois, comme le disait M. Tabou, vous donnez votre avis. Mais je pense Tagbé. Togbé. Mais c'est pas grave. Allez-y. Moi, je pense que, en donnant votre avis, vous vous perdez souvent.
C'est-à-dire que pour vous, aujourd'hui, vous avez dit que quand le 30 août, quand Oligui a pris le pouvoir avec ses militaires, vous avez applaudi. Mais bizarrement, quand il a mis des gens que vous n'appréciez pas, tout d'un coup, vous le diabolisez pour tout. Mais parce que c'est des mauvais signaux qu'il a envoyés. Je pense que on va essayer d'avancer. Moi, on va essayer d'avancer. C'est une bonne proposition. Très rapidement, Sadio Moré. Alors, on voit qu'ils sont irréconciliables sur à la fois sur la question du personnage, sur l'unanimité du personnage. Ils n'ont pas un même point de vue sur le président. Alors, des points de vue dits complètement, diamétralement opposés. Mais avançons. Vous, au-delà de la question de la légitimité que vous avez évoquée il y a quelques instants, y a-t-il au moins des choses qui se font aujourd'hui au Gabon qui sont positives à vos yeux? Non, rien ne devrait se faire que l'organisation, premièrement. Organisation deuxièmement, de quoi? Troisièmement, de la durée de transition. Se mettre d'accord que la transition sera le plus court possible et que, Olivier, oui, les Gabonais autour de lui ne nous mettent pas en tête qu'il est possible que lui soit candidat et pas les membres de son gouvernement et autres. Ça, c'est c'est-à-dire, ça sera une forfaiture qui va déteindre sur beaucoup de pays africains. Expliquez-nous. Oui, oui, pourquoi, mais c'est-à-dire. Non, Sadio Morel, quand vous êtes analyste politique, d'accord. Expliquez-nous pourquoi quelqu'un qui dirige une transition est disqualifié pour être candidat à l'élection présidentielle. Si l'élection est transparente et le peuple l'élit, où est le problème? Alors, dans ce cas, pourquoi aussi les membres de son gouvernement ne peuvent pas être aussi... Ça, c'est la question qu'on peut, effectivement... Voilà, donc ça c'est la question, effectivement, qu'on peut poser. Que se donne, éventuellement... Ou bien tout le monde a le droit de se représenter, ou personne ayant participé à la transition. Je suis d'accord Donc, quand les choses sont bancales, il ne faut pas les accepter, car un centimètre après, c'est pas seulement l'Afrique. Hein. Ça, c'est un point sur lequel au moins on peut être d'accord sur cette table. La question de l'égalité. Non, moi, pourquoi je ne suis pas d'accord? Parce qu'aujourd'hui, je vous ai dit, vous savez, quand un enfant vient au monde, quand un enfant naît, il ne va pas tout de suite manger, il n'a pas de dents. Pardon? Quand un enfant naît, il ne naît pas avec des dents pour manger. Mais on est dit à 48, c'est-à-dire qu'aujourd'hui... Non. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je veux dire par là que nous sortons de 55 ans de dictature. Non, ça arrête. Nous avons... Non, laissez-moi... Mais laissez-moi répondre. Non, c'est pour que... Comme il nous reste 8 minutes... Il ne faut pas qu'on sorte justement de 55 ans de dictature pour déjà accepter ce qui ressemble déjà à égal ou pire. On sort de la dictature civile pour une dictature militaire. Et on sait. Je vais essayer de repréciser la question de façon plus concrète. Dites-moi. Pourquoi, c'est un exemple, hein, qu'est-ce qui disqualifie aujourd'hui le Premier ministre pour se porter candidat à la prochaine élection présidentielle, mais qui qualifie le président de la transition? Pourquoi les deux personnalités n'auraient-elles pas les mêmes droits au regard de la présidentielle à venir? Comme d'autres ministres. Y compris, oui, mais j'ai préféré le ministre le plus en vue dans le gouvernement. Je pense que sur cette question, je suis d'accord avec vous. Okay. Parce que tout le monde a le droit... Non, mais laissez-moi terminer. Oui, tout le monde a le droit de se présenter ou de ne pas se présenter. C'est ça. Quand on est dans la transition. Absolument. Totalement d'accord avec vous. Mais moi, ce que je ne veux pas, c'est que nous soyons là en train de ne pas voir que nous sortons de loin et nous essayons. Parce que le problème avec celui qui a marché longtemps dans le désert, c'est qu'il veut tout de suite la bouteille d'eau au lieu de boire à la paille. Quelqu'un qui sort du coma, monsieur Jonas Mounenda, on lui donne de l'eau à la paille. Faisons les choses étape par étape. Vous avez dit que vous ne saviez pas quand est-ce qu'on allait sortir de la transition. On vous a dit 2 ans. On vous a donné la date d'élection. Comment envisager il y a la constitution à rédiger. Il y a une chose. Il n'y a même pas une constitution à rédiger. Il y a une constitution de 91 qui a fait l'unanimité. C'est de 91. Deuxièmement, elle a fait l'unanimité auprès de qui? Mais parce qu'elle est issue de la conférence nationale souveraine. La seule qui a procédé après celle du Bénin. Donc, maintenant, par rapport à M. Oligui Nguema, parce que vous utilisez des méthodes dilatoires, en fait. Il faut qu'on dise des choses. Monsieur Oligui Nguema, il ne sait pas qu'il prend le gros risque. Une transition qui est longue, 2 ans, ça signifie que le capital des sympathies dont il joue aujourd'hui va s'éroder considérablement.
Premier risque. Deuxièmement, le pays va rester en rupture de ban avec la communauté internationale. Non, il y a déjà... Le Gabon commence peu à peu à être de retour. Non, de retour. C'est pas parce qu'on l'a demain. C'est le seul... On l'a demain. Il ne voit rien de bon. On l'a demain. Monsieur. Oui, on l'a demain. Vous êtes de là où je suis, n'ai pas de position. Assiste, hein. C'est pas parce qu'il assiste à un sommet. C'est le seul qui a fait un putsch qui a été admis à ce sommet. C'est parce que c'est un faux putsch, justement. Je vous dis. Alors, très rapidement, c'est important, non, monsieur. Non, il faut préciser. Jonas Molenda. Oui. Il y a quelque chose... Moi, de là où je suis, je n'ai pas de position. Je vous dis les choses de façon objective. Il y a quelque chose qui a disparu dans la plupart des pays africains, mais qu'on semble retrouver aujourd'hui dans votre pays, le Gabon, c'est la fibre patriotique. Le président, voici un président qui vient au pouvoir et qui décide de ce qui est désormais la levée des couleurs. Ce n'est pas rien sur le plan de la symbolique. Dans toutes les écoles du Gabon et dans toutes les administrations publiques du Gabon, il lance là l'idée de redonner aux Gabonais la fierté d'être Gabonais et la fibre patriotique d'aimer, pour aimer leur pays, le Gabon. Non. Dès le premier jour du coup d'État, ont montré leur patriotisme. Oui, on ne manifeste qu'il faut renforcer. Avec leur seul drapeau. C'est comme ça que moi j'interprète, en tout cas. Monsieur Togba, écoutez-moi, on ne manifestant qu'avec leur seul drapeau. Le drapeau congolais, le drapeau gabonais. On l'a fait. C'est-à-dire ça, un instant. C'est-à-dire les derniers coups d'État qu'on a pu voir ici et là en Afrique, c'est soit on a doublé un drapeau étranger pour en déclasser un autre. Mais là, au Gabon, ce qui a été marquant, magnifique, c'est que les Gabonais n'ont pris que leur drapeau pour dire bravo. Même depuis 2016. Oui, mais pourquoi quand les mêmes Gabonais aujourd'hui... C'est pas en contradiction avec ce qu'il a décidé. Non, c'est-à-dire, c'est vrai que quand on est patriote, on est prêt à mourir pour sa patrie. Oui. Mais là, ce que je vois au Gabon, c'est que les Gabonais, certains Gabonais, sont prêts à mourir pour un homme. Là, on ne peut pas être d'accord. Et celui qui a pris... Monsieur, qui a pris... Non. Ça, c'est... Mais... On est d'accord, mais on apporte la contradiction pour les Gabonais. Il ne faut pas qu'il sorte sur cet embelli qui a fait de lui le salvateur en déposant Bongo pour s'ancrer et rester dans la durée et peut-être aussi verser dans les mêmes... N'oublions pas une chose, il s'agit d'un coup d'État du palais. Non, c'est pas la même chose. Il s'agit d'un coup d'État. Contrairement à ce qui s'est passé peut-être dans les pays du Sahel, là, il s'agit d'un coup d'État du palais. D'accord, on a bien compris. Mais vous pouvez aussi, n'est-ce pas, apporter des éléments de réponse à ce qui se discute et sans faire de la psychanalyse, juste un point. On parle quand même d'un pays qui sort de 56 ans de dictature. Il n'est pas sorti, monsieur. C'est le même système qui se régénère. Il s'agit d'abord, Richard, il s'agit d'abord du prolongement. Pour l'instant, le système n'a pas du tout changé. Quand je vous entends parler, l'enfant a 3 mois. Mais il doit déjà être porteur, il doit être président. Je parle de la transition. Attention, je parle de la transition. Je ne parle pas du président de la transition. Je dis bien que l'enfant n'a que 3 mois. Je pense que laissons le temps au temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans que ça soit circonscrit. Monsieur Olivier aurait pu arriver au pouvoir et dire que moi, je suis militaire et... Voilà comment ça va se passer. L'ont fait comme ça. Il aurait pu le dire. L'ont fait, C'est ça que je tente de faire de manière intelligente parce que il parle de quelle époque? L'époque du monopartisme où les coups d'État étaient. Mais aujourd'hui, nous sommes à une autre époque. On ne veut plus donner le blanc. Pour les rassurer et pour leur faire changer d'avis, quels sont aujourd'hui, en plus des éléments de bilan que vous avez évoqués, les chantiers ouverts qui apporte une forme que vous pouvez évoquer pour leur faire changer d'avis, pour leur faire croire effectivement que vous êtes embarqué dans une ère pour un Gabon nouveau avec une façon différente de gérer les affaires publiques par rapport à ce qu'on a connu de par le passé. Aujourd'hui, quand je regarde moi qui reviens de Libreville, qui reviens du Gabon, qui a voyagé dans les provinces du Gabon, tout est à refaire chez nous.
c'est malheureux à dire. Monsieur Moulinda ne va pas me contredire. Mm. Aujourd'hui, nous avons tous les chantiers sont à refaire. Parce que quand Monsieur Brice Clotaire-Oligui arrive au pouvoir, dit je ne vais pas vous mettre en prison. Si vous avez pris l'argent de l'État, allez-y construire. Que ça soit dans les hôpitaux, que ça soit pour les routes. Et je pense qu'aujourd'hui, on le voit tous les jours, il y a des chantiers partout dans le Gabon. Donc, des chantiers partout, mais monsieur, il sort de quelle planète? Il n'y a pas de chantier à Libreville. Il n'y en a pas. Est-ce qu'il a parti au chantier? Non, je vous demande, répondez-moi par oui ou non. C'est vrai que les grandes artères de Libreville sont aujourd'hui en chantier, en réhabilitation. On ne peut pas le nier. Ça, au moins, c'est des faits. Mais il n'y a pas de chantier, on a entendu. Mais on a quoi? Ce sont des oligarques qui ont volé. Est-ce que c'est leur devoir de construire le pays? Ceux qui ont volé doivent rembourser l'argent. C'est tout. J'apporte des faits et non des spéculations, monsieur. Ce n'est pas des spéculations, monsieur Tomo. Je sais qu'il y a un certain penchant. Ce qui est dommage, c'est parce que ce monsieur, nous avons marché au Trocadéro, il s'est affublé de ses manteaux de démocrate. Aujourd'hui, non. Il soutient. Un démocrate mais ne soutient pas. Mais c'est vrai qu'il y a des chantiers au Gabon. Mais de quel chantier vous parlez? Dites-moi. Ah ben, les gens. En fait, quand on visite, on visite, on n'est pas d'accord avec vous. Mais vous pouvez me dire, par exemple, le nombre d'usines en chantier au Gabon? Voilà. C'est quoi le chantier? Ah ben, le nombre d'usines en chantier, c'est vrai qu'on est en train de parler de... Vous avez dit le nombre d'usines, madame? Depuis 90 jours, quoi. On est en train de parler d'un pouvoir. Voilà, donc dites-moi, on ne peut pas parler aujourd'hui de tout pouvoir nouveau qui vient... Le seul chantier viable pour moi au Gabon aujourd'hui, c'est de nous dire le plus court possible quelle sera la date des élections et que ce pouvoir-là... C'est connu. Août 2025. C'est prévu. 2025, oui. Déjà deux ans de transition. Mais de toutes les façons, même si la vie en dit... C'est la transition pour l'instant. Mais même si la vie en dit, c'est la transition la plus courte. Qu'est-ce que ça veut dire? Après un putsch. Annoncé. Parce qu'il y a encore la question que j'attendais du présentateur. Oui, dites-moi. C'est que pourquoi une si longue transition dans un pays qui n'est pas confronté au djihadisme comme les pays du Sahel? Voilà, exactement. Parce qu'on pourrait aller aux élections. Ouais, exactement. Et pourquoi n'avoir pas seulement les... Je peux vous répondre. Hein. Je vous laisse. Même la RDC qui est torturée par son Je vais répondre. Voilà, répondre. Aux élections. Nous avons... Le Mali, vous avez dit qui qu'on est sujet au djihadisme, excusez-moi, a quand même organisé des référendums. Oui. Pourquoi pas? Nous avons. Il est toujours là. Il est toujours là. Il a organisé quand même. Oui, mais c'est pas le sujet, c'est pas le référendum. Oui, c'est il est là depuis mai 2021. Oui, le référendum est là depuis mai 2021. Élection, qu'on nous dise pourquoi une si longue période de transition pour un pays totalement. Mais quand j'essaie de répondre, vous le laissez répondre. Nous avons des points. Par exemple, nous avons la constitution à rédiger. Nous avons le code électoral à rédiger. La Constitution, on doit la rédiger et présenter, adopter. Elle doit se faire adopter par le Parlement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons plein d'éléments. Nous avons le dialogue national. Vous croyez que ce sont des choses qui vont se faire en 3 mois ou en 2 ans? S'il va trop vite, vous allez critiquer. Merci beaucoup. C'est que M. Thomas ne dit pas ce que le Conseil national de la démocratie a déjà fait ce travail. Donc, qui a réuni tous les partis politiques. Donc, ça va réduire la durée. Effectivement, la charte actuelle, c'est la... Le Conseil de la démocratie a déjà fait le travail, absolument, la Constitution, le projet sur la loi électorale, tout a déjà été fait. Je vous ai dit qu'il y a encore... Absolument. Si c'est un jeune comme vous qui participe à tuer la démocratie dans son pays... Pourquoi vous dites ça? Mais attendez. Mais il a le droit de manifester son soutien. Mais pour vous, mais ça ne veut pas dire qu'il tue la démocratie dans son pays. C'est du mauvais côté. Il faut devenir du bon côté. Pour vous, on n'en sait rien. Pour vous, on n'en sait rien. En tout cas, merci à vous d'avoir participé à cet échange. On a compris, vous ne serez jamais d'accord sur, à la fois sur le personnage et sur la façon dont... Sur le fonctionnement. Sur la façon dont la transition est conduite aujourd'hui dans votre pays. Mais encore une fois, nous sommes en train de parler de 100 premiers jours. Vous avez le temps d'apprécier, d'analyser ce qui sera fait dans votre pays, le Gabon, ce qu'on retient et qui va faire l'unanimité ici, c'est que le Gabon a du potentiel. Vous, les Gabonais, vous aimez votre pays et vous saurez trouver en vous le génie nécessaire pour construire votre Gabon et pour laisser aux générations à venir un Gabon meilleur. En tout cas, merci à vous d'avoir participé à cette émission. Mesdames et messieurs, c'est la fin de Frontal, dont le numéro de ce jour, vous l'avez vu, a été consacré au Gabon. Et si vous voulez suivre cette émission, allez-y, www.tv.com. À très bientôt pour un autre numéro de Frontal. Merci à vous. Merci. Absolument.